Ben, c'est fait. L'ENP a donc une candidature à la présidentielle. On a enfin réussi. On l'a appris ce matin. Donc le Conseil constitutionnel valide notre candidature. Donc c'est à la fois un soulagement, puis en même temps un peu une surprise, parce que ces derniers jours on a beaucoup galéré, on a passé même des moments à douter de la réussite de ce qu'on faisait. Mais là, ben, c'est 8 mois de boulot, quoi. Des camarades sur les routes, des centaines de milliers de kilomètres, à peu près 10 000 mères vues. Et ben, finalement, bon, pour y arriver à la dernière limite, donc ben, remerciements à tout ce que les camarades ont pu faire, à tout ce qu'on a pu faire ensemble. Remerciements évidemment à tous les élus, des petites communes essentiellement, mais y compris même des conseillers régionaux, départementaux qui ont fini par se décider, voilà, des élus divers et variés, certainement de sensibilités différentes. Donc remerciements à tout le monde. Et puis maintenant, ben, on va pouvoir se lancer dans la campagne. Donc une campagne qui va faire du bien, je pense, à pas mal de monde. D'ailleurs, on a vu les réactions sur les réseaux sociaux, les proches autour de nous, quoi. Content qu'il y ait une candidature ouvrière qui aussi exprime l'espoir de lutte sociale, de changer les choses profondément, en rupture complète avec ces politiciens Fillon, Le Pen, enfin tous ces scandales, toutes ces histoires de pognon. Donc voilà, il y a besoin de montrer qu'on peut faire de la politique nous-mêmes, par en bas. Donc voilà, c'est à nous de prendre nos affaires en main. C'est important, c'est tout ça qu'on a envie de dire. Et puis, ouais, changer ce système profondément. Donc voilà, ça passera par un sursaut de notre côté.